regarde cela. Oh mon Dieu! Donc c'est comme ça que les échographies marchent? On peut voir ce qui est à l'intérieur du ventre? Je ne pensais pas que les bébés seraient comme ça. Ils ont beaucoup de rides sur leur visage. À propos, félicitations. Tu vas devenir père. Merci, Sarah. Félicitations à toi aussi. Tu as l'air très heureux. Tu gardes toujours ton grand sourire. Je suis tellement excitée de devenir père. Même si je ne l'ai pas encore rencontré, je l'aime tellement. C'est chouette de te voir heureux. J'espère que quelqu'un se réjouit de ma grossesse. Tu n'as pas encore parlé à Edouard? Il ne sait pas que tu es enceinte? J'ai essayé de le connecter et je lui ai envoyé plusieurs messages en ligne. Mais il ne semble pas s'en soucier. Je ne lui en veux pas. Je sais en quelque sorte que c'est aussi de ma faute. Mais je ne comprends pas comment il peut être si indifférent de tout cela. Il ne se soucie même pas de notre bébé. Il ne se soucie pas de son bébé du tout. Tu sais, Sarah, les hommes réagissent différemment au fait de devenir père. Dans mon cas, je suis prêt à devenir père. Je crois qu'il n'est pas prêt. Ou qu'il est encore choqué. Il est choqué? Et tu penses que je n'étais pas choquée? Sarah, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de quelque chose, Kara et moi, nous sommes ici. Et ta famille aussi. Merci. Je suis sûre que j'ai vu Lucille, faites-moi confiance. Comment est-ce possible? Elle est à l'hôpital psychiatrique, non? Mais je l'ai vue. D'accord, je vais aller voir. Je viens avec toi. Attendez, je viens avec vous. Je vais appeler la police. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? J'ai vérifié la patiente dans cette chambre. Elle va bien. Oh, vraiment? Mais elle doit prendre des médicaments. Je les lui ai déjà donnés. Bah alors, vous ne lisez pas les rapports, non? Vous avez failli lui donner deux fois le même médicament. Quoi? Allez voir les patients là-bas. Ok, d'accord. Où travailles-tu maintenant? Tu es plus loin de la maison? Combien de bus tu prends? Un seul. J'ai juste besoin de prendre un bus, oncle. Je m'en sors très bien. Papa, Andy? Oui? Nous avons un problème. Quoi? Qu'est-ce? Quel est le problème? Kara dit que Lucille était à l'extérieur de la maison, elle nous observait. Lucille? Lucille? Comment ça? Tu en es sûre? Oh non. Oui, je suis sûre que c'était elle. Oh mais non! Mais comment est-ce possible? Elle n'a pas été enfermée à l'hôpital psychiatrique? Eh bien, on ne sait jamais, elle doit avoir fui. Oh non. Elle est capable de faire ça. Nous connaissons bien Lucille. Elle est capable de tout. Surtout avec l'argent, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Incroyable! Comment une folle comme elle est encore capable de corrompre quelqu'un? Il vaut mieux que nous appelions la police. Il nous faut être prêts. Ne vous inquiétez pas, Seb a déjà appelé. Nous attendons juste que la police nous rappelle. D'accord. Le commandant. Allô, monsieur? Allô, monsieur Acosta? On a vérifié votre inquiétude. Alors, elle s'est enfuie? Non, elle n'a pas fui. Elle est toujours restée à l'hôpital psychiatrique avant que je vous ai appelé. Êtes-vous sûr? Je viens de le vérifier avec les employés de l'hôpital. Vraiment? Ne vous inquiétez pas. Si elle était arrivée à s'enfuir, ils nous auraient avertis immédiatement. Et je vous aurais aussi fait savoir. D'accord, monsieur. Mais en tout cas, je vais confirmer à nouveau avec eux. Il est difficile de s'en assurer quelquefois. D'accord. Merci, commandant. Seb, qu'est-ce qu'il a dit? Le commandant a dit que Lucille était encore à l'hôpital. Il nous appellera dès qu'il a des nouvelles. Que dois-je faire maintenant? Mais je vous jure que je l'ai vue. Eh bien, tu sais quoi, Sarah? Tu as l'air très heureuse. C'est juste parce que Lucille est toujours à l'hôpital psychiatrique, c'est ça? Quoi, Itoy? Bien sûr que non. Tu as totalement tort. C'est pour mon bébé. Oh mon Dieu, c'est la photo de mon futur petit enfant. Oui, laisse-moi cela. Voir. Regarde, n'est-elle pas jolie comme moi? Arrête d'exagérer, Sarah. Comment sais-tu que c'est une fille? C'est en noir et blanc. C'est dommage, Itoy. Kara et moi aurions pu déjà montrer les photos de nos bébés à papa et maman. Mais comme toujours, Lucille a capté notre attention. Ma chérie, essaie de l'ignorer. Si j'étais toi, j'irais dormir maintenant et je leur ferais une surprise demain. Si tu veux, je peux trouver un cadre pour la première image de ma petite fille renfrognée. Elle a dû recevoir ça de toi, regarde-la. Ça veut dire quoi, renfrognée?
Elle ne l'est pas. D'ailleurs, le bébé de Carré est juste comme mon bébé. Oh, je rigolais. Soit dit en passant, est-ce que tu connais un travail à temps partiel, Itaï? Comment tu peux penser à travailler quand tu as un bébé dans le ventre, Sarah? J'ai vraiment besoin d'argent, Itaï. Je n'en ai pas assez. Bien sûr que je dois travailler. Et pourquoi? Où est passé tout ton argent, Sarah? Tu viens de nous dire que tu as vendu tes vêtements et tes bijoux. Je sais, mais je devais acheter beaucoup de choses pour mon bébé et pour moi aussi. J'ai dépensé presque tout ce que j'avais récemment. Et je dois encore acheter beaucoup de choses, comme des vitamines et mes consultations prénatales. Tu n'es plus la dépensière que je connaissais, dis donc. Maintenant que tu ne dépenses plus rien pour toi, mais tout pour ton bébé, tu me rends cinglée. Bien sûr, Itaï. Je ne veux pas que mon bébé ait l'air lamentable à côté de celui de Kara. Quand vas-tu changer, Sarah? Pour l'amour de Dieu, Sarah, tu devrais arrêter de te comparer avec Kara. C'est bien ce genre de choses que tu vas apprendre à ton bébé, hein? Allez, Itaï, j'ai vraiment besoin d'un emploi. D'accord. Il y a une séance photo. Tu poses juste avec des vêtements de maternité. Saisis cette chance, ne sois pas difficile. Bien sûr, Itaï, merci. De rien. Attends, Sarah, j'ai une question à te poser. Tu es sûre que tu seras capable d'élever ton enfant toute seule? Tu sais, ma chère, que la vie est difficile de nos jours. Et pour l'instant, tu es ruinée. Comment vas-tu faire quand le bébé naîtra et quand il devra aller à l'école? Eh bien, je ferai n'importe quoi pour mon bébé. C'est mon affaire. Ne t'inquiète pas, Itaï, je peux le faire. Eh bien, je dis juste que ce n'est pas la même chose si tu as quelqu'un pour t'accompagner à traverser tout ça. Si tu as quelqu'un pour t'aider à porter le fardeau, regarde Kara par exemple, elle a Seb. Et qu'est-ce que je dois faire? Édouard ne veut pas assumer ses responsabilités. Eh bien, pourquoi diable tu ne l'as pas informé sur Facebook? Je suis sûr qu'il doit avoir été choqué. Tu sais quoi? Tu as la possibilité de te battre pour les droits de ton enfant en trouvant son père. Il faut que tu le fasses, voilà. Mais pourquoi? Je n'ai aucun problème. Je t'ai dit que je peux m'en sortir moi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans des familles incomplètes, mais ils ont pu aller loin. Alors, si tu me demandes si tu as l'occasion de donner un père à ton enfant, alors pourquoi ne pas le faire? Même si c'est seulement un soutien financier. Mais s'il n'y a rien que tu puisses faire, alors... Édouard n'est qu'un imbécile. Oublie-le, alors. Nous prendrons soin du bébé. Ne t'inquiète pas, Sarah. Si tu veux, je peux jouer le rôle du père que mon petit enfant a besoin. Mais pour l'amour de Dieu, fais en sorte qu'il ne m'appelle pas grand-mère. C'est bon, on peut commencer. D'accord. Il dit que c'est bon. Merci. D'accord. Prenez la pause. Très bien, Sarah. Changez de position. Asseyez-vous sur la pierre. D'accord. Ok. Mettez votre tête un peu en arrière. Très bien. Faisons une pause. Monsieur, commençons mes photos. Laissez-moi voir. Sarah, elles sont très bien. Vous êtes très naturelle. La caméra vous aime. C'est comme ça pour les belles personnes. Ça se voit sur les photos. Merci. Bébé, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'étais belle. Tu es mon porte-bonheur. Kara, la police vient de m'appeler. Ils ont des nouvelles de Lucille. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vérifié les caméras de sécurité et elle était là. J'espère que je n'ai pas imaginé tes choses. Pourquoi tu es encore à la maison? Tu ne travailles pas? Oui, c'est vrai. Mais j'ai pensé à ne pas y aller aujourd'hui. Tu es seule à la maison. Allez, Seb, je suis bien ici toute seule. Quelque chose peut t'arriver. Je dois t'accompagner. Ce n'est pas la peine. Maman et papa vont revenir très bientôt. Tu peux y aller. Tu es sûre? Mm-hmm. Encore 5 minutes? Mm-hmm. Je veux rester avec toi. Petit bébé. Quoi? Ce sont des coups de pied? Je pense qu'il bouge. Vraiment? Bonjour. Je peux voir les photos? Couché. Tu ne peux plus attendre? Oui. Vous allez l'adorer. Pourquoi vous avez embauché cette modèle? Elle n'a aucun charme sur les photos, n'est-ce pas? Elle n'a pas le teint d'une femme enceinte. Et elle n'est même pas belle. Désolée, y a-t-il un problème? Vous voilà. Désolée si vous avez entendu ce que je disais. Je veux que vous sachiez que je n'ai rien contre vous. C'est juste que je n'aime pas vos photos. Avez-vous dit que j'étais laide? Écoutez, il y a des femmes qui deviennent laides quand elles sont enceintes. Malheureusement, vous en faites partie.
Comment osez-vous me parler comme ça? Vous ne pouvez pas juger mon bébé, comment osez-vous? Calmez-vous, mademoiselle. S'il vous plaît, gardez votre distance. Sortez-la d'ici. C'est elle qui doit partir. Comment a-t-elle osé parler ici, hein? Sarah, ça suffit. C'est la rédactrice en chef du magazine. Elle a le droit de vous faire partir. Oui, j'ai le droit de le faire. Et je vais vous faire sortir. Vous êtes virée. Trouvez juste un autre motel. D'accord, d'accord. Lâchez-moi. Faisons une pause. Bonjour, Lucille. C'est l'heure de la séance thérapeutique. Lucille? Lucille, réveillez-vous. Comment est-ce que vous vous sentez? Réveillez-vous, Lucille. Lucille. Venez m'aider. Lucille, réveillez-vous. Lucille. Lucille, réveillez-vous. Lucille, réveillez-vous. Maria, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Lucille? Sécurité! 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 Maman? 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 C'est moi que tu cherches, Kara? Maman? Est-ce que je t'ai manqué? Que fais-tu ici? Comment es-tu sortie? La réponse n'est pas importante, ma fille. Le plus important, c'est que je suis ici et je te prendrai avec moi. Allons! Allons-y! Qu'est-ce que tu veux au juste? Laisse-moi! Kara, allons-y, on n'a pas beaucoup de temps, ton père nous attend! Mon père est mort! Je ne vais nulle part, tu as perdu la tête! Kara, ne dis pas ça! Je ne suis pas folle, Kara! Tu m'as tellement manqué. C'est pour toi que j'ai fui de l'hôpital. Je devais venir te voir. Et mon petit enfant? Ne me touche pas! Ce bébé n'est pas ton petit enfant. Allez, Kara. Nous avons encore beaucoup à faire. Allez. Laisse-moi. Tu me fais mal, maman. Kara, allez. Ne sois pas têtue. Je t'ai dit de me laisser. Lâche-moi. Nous devons y aller. Kara, le temps presse. Allez, lâche-moi, maman. Lâche-moi. Allez, Kara. Laisse-moi. Va-t'en. Allez, tu dois venir Va-t'en. Avec moi. Laisse-moi nous avons tranquille. Beaucoup à faire. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu viens faire? Lâche-la. J'ai dit de la lâcher. C'est quoi ton problème? Ah oui. J'ai oublié que tu es folle. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Lâche-la. Maman, arrête. T'arrêtes aussi enceinte. Kara, viens, nous devons y aller. Kara, allez, maman, lâche-moi. Kara, allez. Kara, ne la touche Kara. Pas. Oh, Kara, oh, désolée. Là, ne la touche pas. Kara, viens, je t'emmène à l'hôpital. Kara, tu saignes. Kara, désolée, allons à l'hôpital. Regarde ce que tu as fait, c'est de ta faute, Lucille. Allons à l'hôpital. Kara, viens. Kara, viens. Ne la touche pas. C'est ma fille. Je m'en fiche. Kara, viens. Viens avec moi. Kara. Oh mon Dieu, ne la touche pas. Tais-toi, Sarah. Nous sommes là. Allons, Kara, saigne. Kara. Qu'est-ce qui s'est passé? Lâche-moi. Kara. Lucille, mais éloignez-vous de ma fille. Tu n'as rien à faire. Je m'en fiche. Mon Dieu. Kara est enceinte. Oui, je sais. Mais elle est ma fille. Je dois prendre soin d'elle. Kara, viens. Je t'ai dit, je t'ai dit de me lâcher. Je ne veux plus jamais te voir. Kara. Je vais appeler la police. Oui, Sarah. Elle doit aller en prison à nouveau, cette chienne. Ah, je te jure que tu ne seras pas heureuse si tu ne viens pas avec moi. Oui, elle est toujours là. La police est en route. Allez à l'hôpital. Je la tiens. Lucille, malade mentale. Je vais te battre à coups de poing. Reviens ici. Je m'en charge. Maman, mon bébé. Prends une respiration. Sarah, où est Seb? Je l'appelle tout de suite. Du calme. Asseyons-nous ici, d'accord? Détends-toi, Kara. Oui. Maman, mon bébé. Oui, je sais, ma chérie. Sarah. Allô, Seb? Seb, où es-tu? Je travaille. Pourquoi? C'est Kara. Elle saigne. Elle s'est battue avec Lucille. Quoi? Viens ici immédiatement. Je t'envoie les détails. Où est ton père? J'ai appelé Seb et lui a dit ce qui est arrivé. Relaxe-toi, chérie.
La camionnette est là. Elle est là? Elle est là, maman. Papa! Elle est là. Allons-y, doucement, chérie. Ishmael! Nous devons amener Cara à l'hôpital. Emmenons-la à l'hôpital. Quoi? Elle saigne. Mettez-la dans la camionnette, vite. Plus vite. Vous avez appelé la police? Oui, c'est déjà fait. La police est sur Andy, le chemin. Conduis-les à l'hôpital, vite. D'accord. Je vais attendre la police. Maintenant. Vite. Laura, fais attention, d'accord? Oui, d'accord. Soyez prudents. Appelez-moi quand vous arrivez, hein. Allô? Je suis désolée de vous informer, Madame Acosta, mais Lucille s'est enfuie. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Nous sommes en train de l'enquêter, mais pour l'instant, le plus important est de savoir où elle est partie. Je sais où elle est. Je vais vous donner l'adresse par message. Ah, vous voilà. Attendez. Monsieur, c'était quelqu'un juste a appelé. Nous. Montons dans d'accord, la voiture, vite. D'accord, montez d'abord. Oui, j'y vais et tout, vous expliquer en route. D'accord. Allez. Désolé, vous connaissez un raccourci? La vie de ma femme et mon enfant sont en danger. Je dois arriver à l'hôpital immédiatement. Désolé, monsieur, mais c'est la seule route. D'accord. Monsieur, nous ferions mieux de la chercher ici. Oh mon Dieu, Ishmael, je suis content que tu m'aies trouvé. Je suis tout à fait comme un cochon quand je cours. Cette sorcière Lucille court tellement vite. Où l'as-tu vue dernièrement? Juste là-bas. Je suis sûr qu'elle est juste près d'ici. Oh, monsieur le policier, monsieur le policier, c'est elle, c'est Lucille, c'est elle là-bas. Merci. Madame de la Rosa. Madame de la Rosa. Oh, désolé. Oh, je suis désolé, madame. Elle ressemble tellement à Lucille, c'est vraiment difficile. Je suis sûr qu'elle est pas loin d'ici. Vous devez la trouver. Restez cherchez-la, calme. Il faut la trouver. Maman, où est Seb? Il est presque là, ma chérie. Ne t'inquiète pas, Cara, je vais le rappeler maintenant. Oui, qu'est-ce que lui est arrivé? Emmenez-la ici. Demande-leur. Peut-être qu'ils l'ont vu. Demande à cette l'heure de venir ici. Appelle-les, dépêchez-vous. Monsieur le policier, venez ici, là. Silence, ou elle va encore s'échapper. Lucille! C'est Lucille! Attrapez-la! Attendez! Ne me touchez pas! Venez-la! Lâchez-moi! Je ne fais rien de mal! Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Je n'ai rien fait de mal! Venez avec nous! Sarah! Allô? Allô, Seb? Où es-tu? Je suis sur le chemin. Comment va Cara? Elle va bien? Dépêche-toi, elle est dans la salle d'urgence maintenant, elle te cherche. Je sais, je suis sur le chemin. Dépêche-toi. D'accord, d'accord. Lâchez-moi! Je dis lâchez-moi! Je ne vais nulle part! Lâchez-moi! Vous pouvez nous la laisser, vous nous occupez d'elle. Mais comment l'avez-vous laissée s'échapper? Laissez-la! Maman! Ne faites pas de mal à ma... Maman, aide-moi! Nous devons aller voir Cara, allons-y! Elle a besoin de moi! Lucille, juste arrête de penser à Cara. C'est toi qui as besoin d'aide en ce moment. Allez, prenez-la! Où allez-vous m'emmener? Avec vous, ne la laissez pas... Lâchez-moi! Ne la laissez pas sortir! Fais attention! Elle est folle! Complètement folle! Voilà Sarah, tante. Vous savez quoi? Lucille est une sorcière. Cara était trop bête pour lui avoir fait confiance en sachant ce qu'elle est. Eh bien, c'est parce que la police avait dit que Lucille était toujours dans l'hôpital. Mais qu'est-il arrivé? Comment elle s'en est prise à Cara? Je ne sais pas. Quand je suis rentrée du travail, elle tirait Cara vers l'extérieur. Et qu'as-tu fait? Je l'ai attaquée, bien sûr. Je le savais. Peut-être que Lucille a fait ça parce que tu l'as provoquée. Tu sais bien que Lucille est une sorcière folle. C'est la sorcière la plus folle du monde entier. Et tu n'as rien de grave? Non, rien. Quelque chose ne va pas? J'ai mal au ventre. Peut-être que mon bébé est nerveux. Ne t'inquiète pas, c'est un enfant très fort. Sarah, tu vas bientôt devenir mère, tu sais. Je ne veux pas dire que ce que tu as fait était mal, mais s'il te plaît, écoute-moi. Tu ne peux plus être si impulsive maintenant. Toutes les décisions que tu fais à partir de maintenant auront une conséquence sur ton bébé. Je voulais juste défendre Tara. Mais tu ne peux pas mettre en danger ta sécurité. Et si quelque chose arrivait à toi et à ton enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, il faut que tu vois le médecin. Laissez-moi sortir d'ici!
Je voulais juste voir ma fille. Quel est votre problème? Je vais nous prendre soin de vous. Docteur! Docteur! Vous devez me croire. Je ne devrais pas être ici. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas folle. S'il vous plaît, je ne voulais pas du tout prétendre être folle, docteur. C'était l'idée de mon avocat pour ne pas aller en prison. Croyez-moi, je ne suis pas folle. Je n'ai rien, je vous jure. Croyez-moi, docteur, s'il vous plaît. Emmenez-la à l'intérieur. Madame Lucille. Docteur, venez. Attendez. Venez. Maman, maman, s'il te plaît, crois-moi. Maman, maman, s'il te plaît. Dis-leur que je ne suis pas folle, s'il te plaît. Dis-leur que je ne suis pas folle, s'il te plaît, maman. Ma fille a besoin de moi. Cara a besoin de moi, surtout maintenant qu'elle est enceinte. Maman, s'il te plaît. Je dois être avec ma fille. Maman, s'il te plaît. Venez. Je ne suis pas folle. Maman. 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 Tenez-la bien, allez. Maman. Maman. Je ne suis pas folle. Andy, Andy, comment va Cara? Elle va bien, elle est à l'intérieur. Nous attendons le médecin pour les résultats. Elle se repose, tu peux entrer. Merci. Cara. Seb, comment va le bébé? Comment va-t-il? Tout ira bien. La patiente est déjà réveillée? Comment va mon bébé? Il a souffert d'une maladie appelée la rupture du placenta à cause du traumatisme subi dans l'abdomen. Heureusement, on voit que la rupture n'est pas grave. Et le rythme cardiaque de votre bébé est normal. Le bébé va bien maintenant. Vous êtes très chanceuse que rien de grave ne lui est arrivé. Dans d'autres cas, ce type de problème peut provoquer l'interruption d'oxygène pour le bébé. Dans ce cas-là, la mère et le bébé seraient en danger. Soyez plus prudents la prochaine fois. Nous comprenons. Merci, docteur. Pour l'instant, il est préférable que vous restiez ici quelques jours pour attendre l'arrêt du saignement. Ensuite, vous pourrez rentrer à la maison pour le rétablissement. Merci. Reposez-vous bien, d'accord? Merci, docteur. Je dois y aller. Maman, pourquoi tu ne vas pas voir Cara? Elle peut avoir besoin de toi. Et qui restera avec toi? Je vais bien, j'attends juste les résultats du docteur. D'accord. Nous t'attendrons là-bas, d'accord? Bonjour. Oh, comment vous sentez-vous? Je me sens mieux. Comment va mon bébé? En fait, votre bébé va très bien. Il était juste un peu stressé, ce qui a causé une petite contraction. Dans tous les cas, vous devriez vous reposer et prendre bien soin de vous, ok? Excusez-moi. Merci. Tu as entendu le docteur? Je suis désolée. Ta mère a été maladroite. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai plus. Ta sécurité est la plus importante. Tu seras toujours ma priorité.